Bernardino once said, "The most important thing in your career is the image you give to the people, your attitude on the bike." He wasn't content to just win. He had to win with style, with panache. That is France's gift to the cycling world. The result is important, but sometimes the journey is more important. The early attack against reason and tactics, the marriage of invention and imagination, the desire to not simply win or create, but to do so in a distinctly French way. The Grand Tour, l'Enfer du Nord, and the bicycle itself are all results of this. There are names that have embodied this uniquely French inclination, have kept it alive and thriving, some for more than a century. These are the pillars of French cycling. Jeudi 7 avril, on est à 72 heures de Paris-Roubaix et nous partons faire la reconnaissance donc des pavés. Donc aujourd'hui nous allons reconnaître le secteur de Avelui, la Trouée d'Arambert et... On va essayer les bicyclettes qui sont des bicyclettes faites faire Paris-Roubaix, donc c'est un vélo spécialement Paris-Roubaix, et nous allons essayer aussi en même temps les pneumatiques Hutchinson. Et bien sûr le nouveau secteur après la Trouée d'Arambert, c'est très très important pour l'équipe. Pour regarder donc la qualité du gonflage, l'efficacité donc sur chaque coureur qui va être présent donc sur Paris-Roubaix. Un secteur pavé inédit dans Paris-Roubaix, c'est un point stratégique et il faut absolument aller le reconnaître. Donc tout ça aujourd'hui on va l'étudier et nous allons faire quelques secteurs pavés, nous allons faire exactement 80 km. It went pretty well. I think we were riding great wheels and great tires, and it's really comfortable. And I think we're really confident with those tires. And we've been racing in Belgium for a month and a half now, and we had a few flats. I think it gives us an edge on the competition for this weekend, and also a lot of confidence for us to be riding well. Ça arrive quand même beaucoup, la moindre petite crevaison avec le produit à l'intérieur, on est tout de suite réparé, on n'est pas bloqué, on sait qu'on peut continuer encore quelques kilomètres, même crever. Donc c'est un gros avantage, surtout que les voitures de dépannage sont très loin dans la course. Donc, pour nous c'est un gros avantage d'avoir des tubeless. Donc on a bien travaillé aujourd'hui avec Norbert pour les pressions de pneus Hutchinson. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour dimanche sur la course. Le Paris-Roubaix, c'est une épreuve très importante pour Hutchinson. Actually, the way you ride the cobbles is you let the bike take its own direction and you just push it in. Donc actuellement, avec la Française des Jeux, on est en train de développer un nouveau pneu tubeless qui fait 280 grammes. If you try to hang on to the bike and decide where to go, your arms will just go numb after a minute and you won't be able to finish the race. Qui a la particularité d'avoir des tringles en carbone, un flanc très souple pour absorber toutes les secousses que provoquent les pavés. But if you let it float on the cobbles, like if it's riding a wave, then you can make it through. It's hard to explain. It's easier when you're on it. It's my first time.
So I'm a bit nervous, but I mean it's good. I'm excited and I'm pretty stoked to be doing this race for the first time, and hopefully I can do my my job and my teammates and do the best I can. Que l'équipe marche très très bien, très très bien, et aujourd'hui voilà, ils sont prêts pour affronter l'enfer du Nord. Ouais, je me sens bien, après on verra par rapport à les parcours de course. De toute façon aujourd'hui je vais travailler, donc voilà, on verra ça bien après trancher de l'Amberg, le point principal. Get the helmet to fit. Droite. Pas comme l'année dernière. Je trouve la roue. Donc je parle des rayons. On sort d'Arenberg. Il reste après deux bancs. Je change d'Arenberg. Je suis dans voie Brunel et Cancelara. Je suis super bien placé, les jambes vont bien. Devant plus loin, il y a un gars qui chute, m'arrache le dérailleur. Course finie. J'ai attendu 5 minutes sur le bord de la route. Après, t'es revenu, Oh, je suis revenu. J'ai roulé, je passais les groupes comme une fusée. Je suis revenu sur Brunet quand il y a eu son problème mécanique. Pratique, la chose très importante, c'est le poids déjà. Après, c'est le rendement et la tenue de route. Tous les coureurs veulent avoir le mix compromis le meilleur possible, de telle façon qu'il n'y ait pas de soucis au niveau du rendement, qu'il n'y ait pas de soucis de crevaison non plus. Thank you.